Il manque quelque chose, il manque quelque chose. Ça, je te le fais pas lire. Peut-être que maintenant que tout est verrouillé, ça a marché. Oh là 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 là, comment on va faire dans cette situation? Ça a pas marché! Un levier, une manivelle, un truc comme ça. Je ne comprends pas ce qui se passe. On a pourtant tout fait. Rien. De réfléchir à ce qu'on aurait pu oublier. Il faut pas que je revienne en arrière, j'ai pas envie de revenir en arrière. J'ai pas du tout envie. C'est fou. Ok. Et ça, c'est quoi, crétin? Simplement, je crois. Mais ça va pas trop. C'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas le que ce soit.
Au revoir. Il attendit que ses yeux se fassent à l'obscurité, mais aucune forme ni contour n'apparurent. Oh non, pas ça. Je conserve de l'eau de source souterraine, de l'eau de la source. Oui, ça me permet de plus ou moins contrôler l'eau des égouts. C'est peut-être utilisé pour bien d'autres choses encore. Comme pour boire, par exemple. Également, oui. Mais surtout pour faire fonctionner une différente machine. Ah, comme des moulins en haut. Exactement. Ok. Je sens que je suis dans la merde. Oh non, ça va. Ok. Je pensais à une chose, je sais pas si je l'ai dit déjà ou pas, mais je pensais que ce jeu était beaucoup moins long que ça en fait. C'est à la fois une bonne chose et une chose un peu flippante pour les nerfs. Il va forcément se passer un truc avec cette flotte par terre. Je sens qu'il va me faire du mal là. C'est obligé. Oh. Un coffre. Avec de l'huile peut-être. Oui, merci. Un faible murmure fait écho à travers la grande chambre vide. Quoi, il y a quelque chose là en fait? Ah oui, d'accord. Là-bas, il faut que j'aille faire un truc. Une manivelle là-bas. Hop. Oh. Hop. Tiens, tiens, tiens. Comme de par hasard. Qu'est-ce que j'avais dit? Réorienter l'eau de l'égout. Le journal intime de Daniel, découverte 1 sur 3, 7 août 1839. Il ne fait aucun doute qu'Alexandre mise beaucoup d'espoir sur ce que je peux uniquement décrire comme étant de la magie. Je ne suis pas étonné, en voyageant à travers l'Europe, j'avais déjà envisagé l'idée que je devrais embrasser le surnaturel pour pouvoir sauver mon esprit et ma vie. En tant que novice, je fais tout ce qui est dans mon pouvoir pour rester concentré et ne pas me laisser emporter par mes doutes. Alexandre m'a réveillé tôt ce matin pour me dire qu'il était temps de se mettre au travail. Il était visiblement excité à l'idée de pouvoir avancer et nous nous sommes dirigés en bas vers l'ancien cachot où il préfère mener ses rituels. Il s'est avéré qu'Alexandre était un véritable homme de la Renaissance, uniquement égalé, j'en suis sûr, par Da Vinci. Il m'a montré plusieurs salles équipées pour répondre aux nécessités de mes recherches spécifiques, telles que des études d'anatomie, d'alchimie et de botanique. La couronne de Brandenburg doit être le sanctuaire intérieur, une terre sacrée où nous devons essayer de bannir l'ombre de l'orbe pour toujours. Pas l'air d'avoir fait quoi que ce soit à part de la musique forte. Hop. 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 Là. Ah, c'est y a de l'eau qui coule. Mais faiblement. Oh, pas si faiblement que ça. L'eau a lentement commencé à remplir la chambre. Magnifique. Faut que j'aille en face là-bas.
ce qui va s'avérer être relativement dangereux. Arrêter de beugler, ce serait pas mal. C'est là qu'il va falloir courir, les amis. Logiquement, il y a un escalier en face, ouais. Allons-y. J'aurais pas dû sauter comme ça. J'ai été débile. Ouch. Non seulement je vois plus rien, mais en plus il fait rouge. Ouais, je vais tomber dans l'eau. Oh, j'ai rien pour me soigner. C'est vraiment affreux. Réorienter l'eau de l'égout. Voilà. Comme tout à l'heure. Ok. Découverte 2 sur 3, 8 août 1839. Je ne pouvais jamais être vraiment sûr d'être sur le bon chemin. En utilisant mon orbe, Alexandre a réussi à propager son pouvoir sur nous. Le sanctuaire intérieur s'est embrasé d'une lumière bleue ardente et je pouvais sentir les mêmes sensations que lorsque j'avais été prisonnier dans la chambre noire d'Algérie. C'était comme être pris au milieu d'un tourbillon fou d'impressions. C'était terrifiant, mais Alexandre a gardé tout son calme et a utilisé des outils scientifiques étranges pour dominer la tourmente. Soudainement, la lumière bleue était alors ternie de taches rouges et les murs se sont mis à palpiter en osmose avec le reste de la scène. Alexandre a rapidement recouvert l'orbe, une sorte de tissu et la chose indescriptible a alors disparu. Apparemment, l'ombre de l'orbe est plus proche que ne le pense Alexandre. Il m'a dit que je devais préparer pour un rituel de protection demain. Je ne suis pas bien sûr de ce qu'il en attend, mais j'ai un mauvais pressentiment. Tu m'étonnes.